Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta qui s'était terminée par un méga échec. À l'épisode précédent, on avait perdu Franz Kruger, ni plus ni moins. Notre conseiller en commandement. Donc bah, je lui cherche un remplaçant. Alors j'ai le choix entre deux. Globalement, j'ai un Kenyan qui a l'avantage. Alors, ils ont tous les deux cible humaine. Ils sont tous les deux aisés et coriaces. C'était silo à ça, globalement, de meilleures stats. Mais lui a le gros avantage. Gilles Chidia d'avoir le trait gouvernement, et pour un personnage orienté commandement c'est quand même plutôt très utile. Donc je pense que c'est sur lui que je vais m'arrêter. Il a le gros inconvénient d'avoir terrestre qui va faire que je vais devoir dépenser 20 points d'expérience pour lui enlever, mais ça va être la meilleure, donc le mieux que j'ai à faire. Voilà, en termes de mission, accessoirement, l'agent a l'avantage de pouvoir faire une stabilisation que le rebelle ne sait pas faire. Mais j'imagine que l'inverse est vrai aussi. Lui, par exemple, peut faire ralliement de conseiller, mais j'en ai pas grand-chose à faire. Lui, il peut faire répression, peut faire globalement, je pense que les compétences sont accessibles, sont meilleurs pour le village. Donc on va partir sur Gilles Chidza, qui vient d'Antananarivo, au Madagascar. Et puis bah, je vais l'équiper un peu, et puis je vais voir ce que j'en fais derrière. Et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà. Donc Gilles Chidia, Gilou pour les intimes. Donc j'ai pu rattacher tout ça. J'ai dû, alors comme j'ai pas mal augmenté ça avec cybernétique, j'ai dû revendre des métaux pour pouvoir avoir des fonds. C'est un peu con, mais bon, c'est ainsi. Je verrai à la fin du tour, puisque là du coup il y a plein de trucs qui sont pas pris en compte. Où est-ce qu'il en est exactement? Et puis il va falloir scanner sa loyauté, la réaugmenter. Ah, il envoie du monde sur Célestin. Alors là je vais peut-être quand même 1er septembre. Je vais peut-être quand même envoyer ma flotte terrestre sur Célestin. On va quand même essayer de la conserver. Public sentiment is increasingly with us. Alors, ceci dit, j'ai mes premiers vaisseaux. Gauss. Ils sortent. Et ça va commencer à être quand même. J'aimerais bien que ce soit quand même pertinent. Comme flotte là. 3 étoiles. Wouhou. On est encore très 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 loin de ce dont sont capables les aliens. Mais
Mais c'est tout de même correct. Autour de la Terre. Qu'est-ce qu'il a encore? Oui, il a toujours ses 9K. J'irais bien lui chatouiller ses... Ouais, celui-ci. 8 septembre. Je vais essayer de l'intercepter lui quand même. Ce qui arrive sur Célestin. Il arrive le 1er septembre. Mince. Il arrive le 8. Bon. Il faudra que j'essaie d'avoir en tête que juste après ce combat-là, il faudra que j'aille intercepter cela. Si j'y arrive. Ok. One cannot simply squeeze a balloon Et le into a confinement tin can de without one or the other bursting, which itself depends upon which you make stronger and which you make weaker. Chancellor Li Jingzhao, interview for a history of space travel, BBC Radio 4. Merci pour ton discours. Mise en réservoir de l'hydrogène pâteux, c'est a priori un truc indispensable. Et donc on est parti pour le chercher. Alors, pour les habitats, notre avenir. Lui, je ne peux pas encore le rechercher puisque je n'ai pas encore le commerce spatial. Voilà. Quand je l'aurai, je pourrai aller chercher les habitats et les anneaux. Ok, donc je vais pouvoir continuer de travailler sur la fusion nucléaire. Je vais voir quand même pour le reste. Tuyère magnétique, technique extraction axiale. Hop. Allez. On va partir là-dessus. Alors, toi, tu sers à quoi? Pas grand-chose pour l'instant. Je vais le laisser. De toute façon, je peux. Mission de purge de l'humanité en Amérique du Nord. Waouh! Comme quoi, heureusement que j'ai envoyé directement blinder la zone. Hein. Bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Avec toutes tes organisations. Putain, ça m'énerve. 20 en admin, 12 en commandement. Ouhou. 14 en sécurité, 7 en espionnage. Bon. Alors, tu vas pouvoir me prendre ça en plus. 1 sur 20. Bon. Ça me donne moyennement envie de retourner en Inde, hein, mais. Le truc, c'est qu'en plus, si là, je vais avoir la. Les compétences pour faire quoi que ce soit. 1,2, 0,2. En termes d'opinion publique, je suis plus très bon en Union asiatique. Augmenter un peu mon unité pour ne pas avoir à me défendre sur ces points-là. Ready for my mission. Et ben, je vais quand même essayer. Pas essayer. I will tell our story. Where to? Ready to go. We must persuade the people.
standing by for orders. Histoire que ce n'ait pas servi à rien. Quoi tes chances ici, 0%. Eh bien, Coco. Bon. Ça m'énerve. La chute. Ready to go. La chute 24 encore. Non. Les chances de coup d'état sont de 0%. Ouais. Ouais. Alors bon, j'ai une opinion publique qui a bien baissé, mais... Je sais ce que je vais faire. The people will rise. Lui, je vais lui faire descendre, défendre Dashu. Reporting in. Histoire que ça n'arrive qu'une seule fois. Ah oui, j'ai plus de thunes. Bonne blague. We'll make our appeal. Offering assistance. On guard. Superfusée Chronos. Point d'investissement, c'est une propulsion augmentée de 10%. Waouh! Lui, je vais me le mettre en favori. Alors. Ah, ça, c'est mon spatioport. Ah, je crois que c'est. D'accord. Nano-usine. Okay. Bon, maintenant j'ai un vrai spatioport autour de Vénus. We've moved the needle. The people will come to our side. Public sentiment is increasingly with us. The people will be free. 1,7, ça veut dire que lui, il continue de se protéger, ce qui est normal. Il fera la même chose à sa place. J'espère qu'ils gagnent de l'XP. 2, oui, 3. J'ai envie de mourir. I'll keep them safe. Ah non. C'est peut-être dangereux ce que je fais, mais. Au moins il va faire ça, mais c'est peut-être dangereux ce que je fais. Pardon, si j'enlevais la pause, ce serait mieux. Donc lui il va atterrir sur Terre. Mais il faut que j'attende. I will help them. Securing our interest. Il faut que j'attende qu'il de défendre ma station. Alors, système terminé, plus de gestion. Bah, j'en avais besoin, ça tombe bien. Taux de réparation augmenté. Alors, ça coûte 5000.
Et j'ai le plasma. MK1, plasma. Batterie à plasma pour les modules défensifs. The people will come to our side. We've moved the needle. Uprising is underway. Public opinion is moving in our direction. Bien, bien, bien. Je n'ai pas perdu d'Achus, ce qui est quand même incroyablement chanceux de ma part. Defending the VIP. Ouais, c'est un point d'expérience, j'ai l'impression, par mission. Attends, qu'est-ce qu'il indique ? Les conseillers gagnent un point d'expérience ou plus en se lançant dans les missions et gagnent souvent au moins 2 points d'expérience pour chaque mission réussie dans laquelle ils doivent réussir à lancer le dé. D'accord. Et ben là, j'ai pas de lancer de dé à réussir. Dommage. Piège à Hydron. Lui, important. Enfin, c'était hydrogène pâteux. Et on est parti. Alors, lui, du coup, il veut pas me combattre. Ça alors. Pourquoi je peux pas moi le combattre? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Mon important, c'est d'empêcher ses armées de se poser. Donc, ma station terre. Je sais pas pourquoi moi j'avais pas l'option de. Tu vas aller en interception. Est-ce que je peux? Comment est-ce que je fais ça? Je veux partir sur une interception. C'est laquelle? Avec 2 vaisseaux, c'est celle-ci. J'étais pas en pause, si j'étais en pause. C'est véhicule de transport militaire. Véhicule de transport militaire. Donc eux, il faut que j'aille. C'est Victor 69. Comment est-ce que je peux faire transfert sur. Sauf que pour l'instant, je le vois pas. Du coup, comment ça se passe? Comment je peux le trouver? Je cherche le petit Victor 69. Victor. Je vais chercher, je mets en pause et je me retrouve.
Mais bon, je l'ai trouvé. Il était autour de sol, en fait, quand il n'y a pas de... d'objectif précis. Temps d'arriver... Je... Alors... Comment est-ce que ça se passe? Temps d'arriver... Ah, j'ai besoin de 9 semaines. Lancement... Ah oui, d'accord, c'est que je le mets en attente. Ok, dès qu'il va attendre une 1,09 semaine, et dès qu'il sera arrivé, il lui sautera dessus. Et ben, go là-dessus. C'est ça. La marée, transfert vers Victor 69. Très bien. Offering support. On guard. Public sentiment is increasingly with us. Ça monte petit à petit. Alors la flotte sur la station du Huan. 31 octobre. C'est laquelle, la station du Huan autour de Vénus? Bon. 31 octobre, ça veut dire que... Parce que là, il y a du monde. Hein. Victor 115. Il y a combien? Il y a 12 vaisseaux, 1,9K. Alors, ce que je peux essayer de faire... C'est autour de Vénus. Je mets combien de temps à les construire cela? 58 jours. Ah, ils vont arriver juste trop tard. 58 jours, je les aurais pas. J'ai dit quoi? 30... Quand est-ce qu'ils arrivent? Ils arrivent 31 octobre. Donc oui, j'aurais pas eu le temps de les construire. Bon bah... Bien que pourra. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Public opinion is moving in our direction. The revolution will not be today. Alors, Victor 69. J'espère que ce que j'avais programmé fonctionne. Voilà, Victor 69, attrapé, et boum. Voilà, 106. Oula, vache. Oh. Ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire du tout. Ça va pas du tout lui plaire. Il va être très fâché. Ok. Oui, oui, oui. C'est lequel le plus proche? 0,37 heures. Hop. Battre à provisionner sur Ardarine. Ok. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Alors, quelle va être la réaction des aliens à tout ça? Mon avis, ils vont pas laisser passer. If we are not willing to spend whatever it takes to make sure every one of those rocks has our name on it by this time next year, we might as well give up now. Chairman Soren van Beek,
DWKY Industries internal memo. Une très belle citation de moi-même. Hein. Si nous ne sommes pas prêts à dépenser ce qu'il faut pour nous assurer que le moindre de ces cailloux porte notre nom d'ici l'année prochaine, autant jeter l'éponge tout de suite. Alors, après ça, il faut que j'aille chercher notre avenir dans l'espace. Hop. Alors, contrôle de mission. Ça coûte pas trop cher, j'irai le chercher. Bombarde. Alors là, je suis quand même très très surpris qu'il bouge pas sa flotte. Je suis très très surpris qu'il bouge pas sa flotte. Hop, on va aller choper aussi. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, d'autres organisations. Toi, j'ai besoin d'autres organisations. Typiquement, celle qui rajoute de l'admin. Puis bonus de rendement spatial, je prends aussi. Là, je peux rien mettre. Bonus de rendement spatial, c'est toujours bon à prendre. Offering counsel. Defending the VIP. We'll be ready for new order soon. Enfin, ça remplacera pas le père Kruger. We're winning their hearts and minds. Revolution is coming. Ça monte pas vite quand même. Hein. Ça monte pas vite. Compagnie minière commerciale, les ventes de ressources. Ouais, je m'en sers quand même très très rarement. Ready for orders. Faudrait aussi que j'enquête sur At your service. Toi, tu peux pas enquêter, non. Où est-ce que j'en suis là, ça monte. Bien-être monte. Ce qui permet de limiter l'agitation. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ici, c'est très bien. C'est très bien, ça. 45 000. Oh. Et ça ne fait que la moitié de ce que je génère, mine de rien. On aura dit, j'ai l'air combien? 1000. Et là, 600. 14 grâce au conseiller, 254 grâce aux nations. Bonus en distribution de recherche, ouais. Et point de contrôle de mission non utilisé, hein, quand on est en excédent ici. Tout ce qui est en excédent, ça nous rapporte de la recherche. Et les habitats qui importent. Ouais. Casque. Qu'est-ce que je fais? J'ai tellement peur de faire des conneries. On va faire en sorte de. Tiens. Restoring order.
stabilise ça histoire de vraiment gâcher le moins possible de points. Oui, lending my expertise. Order is returning. The people will come to our side. Public sentiment is increasingly with us. We'll be free. Public sentiment is increasingly with us. Il m'en faut 4. Batterie à plasma. Pium pium. Pium pium. 50 000 ça. Ah oui, c'était bien, mais c'était cher aussi. Attends, on avait dit... C'était celui-ci. Augmente l'investissement. Ah non, propulsion, je m'en fous un peu. Réduit la propulsion. Ouais non, en fait, je m'en fous de ça. Du boost, j'ai tout ce que je veux. 5,8K. Non. Bon, en même temps, ça coûte 200. Mais non. Bien. Propulseur plasmoïde pulsé. Rien que le nom, ça fait rêver. Mise en réservoir d'oxygène pâteux. Important. Hop, on va aller chercher ça. Ah. Station Wang Daiyuan. Station Wang Daiyuan. Où est-ce que tu es? Qui es-tu? Que fais-tu? Wang Daiyuan. Je ne sais pas. Là. Station autour de Mercure. Ouais, ça m'arrange pas trop. En même temps, j'imagine bien qu'il faut pas grand chose pour m'arranger. Il y a quand même 3 nanovines autour. Bon. J'ai pas de vaisseau donc. Prepping for next mission. Ça arrange le problème, ça résout le problème. Ah, c'était rapide. C'était très rapide. Contrôle de mission, ça c'est bien pour 1200, j'allais chercher celui-ci. Sanctions, imposons des sanctions à la Turquie. Nouveau projet, module résidentiel. Donc ça, c'est ce qui permet, c'est un autre moyen de faire des sous. Je vais pas le faire tout de suite, mais ça pourra être intéressant aussi. Ready to go. Je vais diminuer aussi à 5%. C'est bien remonté tout seul, c'est très bien. Ah tiens. Analyser ce qui se passe ici. Alors ça veut dire que toi là. Ready. Tu es un alien. Très clairement. Eyes on target. Offering assistance. Alors, sortie flotteur. Hop, on va intercepter ça. La cible sera capable de tenter. Je suis pas d'accord. J'ai sans doute pas le choix, mais. Notre flotteur n'a plus de trajectoire valide vers. Ah.
est reparti. Que fais-tu? Non, c'est pas là que je voulais aller. Que fais-tu, Victor 197? Et tu repars. Et tu repars trop vite, j'imagine. Sélectionner un nouveau transpel. Hop, essayer de m'interrompre. Non, j'y arriverai pas. Il va trop vite. De terre base 2, donc c'est raté. Je retourne autour de Abraham. We found nothing of note. Oh putain, mais c'est pas possible. Priorité augmentée de 25%, c'est quand même vraiment énorme. On va aller chercher le plasma. We've moved the needle. 44%. Oh. The people will come to our side. Long live the revolution. Essayer de voir si je peux pas tenter un coup d'essai là-dessus. J'y crois moyen, mais ah, c'est dommage. Toi, tu vas peut-être bien être détruite. Thomas Joker rouge, et eh ben tu vas rejoindre. Hop. Hop, va rejoindre la flotte terrestre. Qu'est-ce que... Ah non, c'est pas flotte terre, c'est dans l'autre sens. Voilà. Hop, on oublie. C'est toi qui vas vers flotte terre. Changer de grosse ligne. 1,2K, 29 vaisseaux. Est-ce que... je peux aller... Est-ce qu'il y a... des vaisseaux, des serviteurs? Oui. Servent pas grand chose, mais en fait je me suis pris tellement de claques que j'hésite. Ce que je devrais pas faire en fait. C'est un peu con. Je vais m'en refaire. Autour de la terre. Et pendant ce temps, il me pète une base. Alors, et ben là... Combien? Ah, il y a les 5K. Bim. Cassé, pas cassé. Ah, on ne saura pas. On ne saura pas. D'autant plus que je vais arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous êtes heureux d'accueillir notre nouvel opérateur. Pas moi. C'est peut-être mieux.
Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et je vous dis, voilà, c'est tout. Ciao, ciao.